take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA V Online après toutes les mises à jour pour vous présenter une petite astuce qui existe depuis le début, mais à chaque fois que je me bats j'ai tendance à toujours étaler tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à comprendre comment je fais, pourtant c'est une astuce qui existe depuis longtemps, qui d'ailleurs j'ai déjà présenté sur ma chaîne une fois. Donc je vais vous remontrer ça et sûrement je vais mieux vous le réexpliquer parce que désormais je l'ai bien en main. Donc c'est une petite technique qui va vous permettre de taper beaucoup plus rapidement que la plupart des autres personnes. Donc là je vous montre une petite baston normale. On se tape dessus comme deux copains. Tout va bien. Ensuite, là, je vais vous montrer une fois que j'utilise la technique. Vous pouvez déjà constater que je tape beaucoup plus rapidement. Donc, je vais vous le montrer plusieurs fois. Enfin, je vais vous le remontrer une autre fois. Vous voyez qu'elle décoche les patates vachement rapidement, quoi. Donc mieux vous arriverez à gérer la technique et à vous diriger vers le personnage, et plus ça sera efficace. Donc là je vous montre, c'est lui qui le fait. Donc il me tape normalement, là il le fait pas. Là il tape vraiment normalement. Et donc la technique, ça va être pour pouvoir frapper très rapidement. Donc le dernier que je vais vous montrer, vous verrez bien la différence quand il me tape. Donc la technique c'est tout simple, vous allez maintenir le bouton pour courir. Donc pour Xbox c'est le bouton A, pour PlayStation c'est le bouton croix. Donc vous maintenez ce bouton, vous avancez toujours en direction du personnage. Et pendant que vous avancez, eh bien vous tapez avec la gâchette RT ou R2. Et vous verrez que vous taperez beaucoup plus vite. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.